Depuis le mariage de son père, Bardan vit dans la forêt auprès de son amie la sorcière. Elle est triste de ne pouvoir habiter avec lui, puisque sa nouvelle épouse, Dame Cunégonde, ne peut plus revoir Bardan sans revivre un passé tragique. En effet, la jolie dame était autrefois la maman d'une enfant muette, morte pour n'avoir pas pu expliquer à sa mère qu'elle était malade. Bardan rêve de retrouver un jour sa voix pour vivre à nouveau avec son père. Pendant que la sorcière chasse des mouches dans son potager, Bardan feuillette le grand et précieux livre de magie de la vieille dame. Elle cherche une recette magique pour recouvrer la voix. Recette pour se transformer en sphinx ailé à tête de cochon. Recette de gomme à escalader. Recette de crème volée-vent pour faire pousser des plumes. Recette de poudre magique pour appétisser. Recette de bague magique pour ouvrir les serrures. Soudain, une page se détache du grimoire poussiéreux. Eureka! Bardan se met à giguer après avoir lu le titre de la recette. Recette pour retrouver la voix après un échange de corps et d'esprit. Griller 5 bébés limaces de leur mortiche. Mettre en poudre de dandelion. Arracher l'écorce d'un arbre doré. Du pays des fées. Demander un morceau de corne à la licorne lézard. Prendre la toile d'une araignée à 12 pattes. Mettre en peau de la morve d'elfe. Attention, le travail doit être fait en présence de l'être sans voix et de l'être parlant. Bardan se rend à l'auberge du Soleil Noir, certaine de retrouver la souris aux côtés du vilain Malarache. Dans la salle à manger de l'auberge, il fait sombre et il n'y a personne. Soudain, le plancher craque. Bardan aperçoit Malarache qui sort d'une chambre. La petite fille s'y faufile et découvre la souris endormie profondément dans un petit lit. Bardan l'attrape en vitesse, la glisse dans son sac et s'enfuit dans la forêt. Arrivée à la cabane de la sorcière, elle enferme la souris dans une cage et attend que le petit rongeur se réveille. La souris ouvre enfin les yeux et découvre qu'elle est enfermée. Qu'est-ce que je fais ici? Nom de fromage bleu qui pue! Bardan prend sa plume et la trempe dans une encre magique. Au fur et à mesure qu'elle écrit, les mots se faufilent dans le cerveau de la souris. Je t'ai emmené ici pour te proposer un marché. Si tu m'aides à retrouver ma voix, je te récompenserai avec une montagne de fromage. Ce n'est pas assez, j'en veux deux. D'accord. Sur ces mots, la sorcière entre dans la cabane. Je vous ai entendu, ce défi pourrait bien vous coûter la vie. Nom de fromage bleu qui pue, il n'est pas question que je risque ma vie pour que tu retrouves ta voix. Que dirais-tu de 5 montagnes de fromage? La souris réfléchit et accepte. La sorcière ouvre alors un grand sac et y glisse un anneau. Quand vous déposerez cet anneau par terre, il se transformera en tente et lorsque vous direz « Tente, tente, ferme-toi !» il retrouvera son apparence d'anneau. La sorcière montre ensuite aux aventurières un parchemin. Vous n'aurez qu'à demander votre chemin au parchemin et des flèches apparaîtront sur le papier pour vous diriger. Elle montre à Bardan 3 fioles. La fiole verte te fera rapetisser, la bleue te fera grandir et la rouge te permettra de parler n'importe quel langage pendant 5 minutes. Voici également une pierre qui permettra à une idée de devenir réelle et une plume qui te propulsera dans les airs. Choisis les bonnes occasions, car ces objets ne pourront être utilisés qu'une seule fois.
Pardon est tellement excitée à l'idée de retrouver enfin sa voix qu'elle décide de partir sur le champ. Elle pose la souris sur son épaule, donne un câlin à son amie la sorcière et se dirige vers la forêt de l'Armotis. Après quelques jours de marche, Bardane et la souris arrivent à destination. La souris gambade devant sa compagne et pousse soudain un cri strident. Une limace avec un tronc humain et une tête d'homme lui dit « Halte là !» Sur le front de l'homme limace, deux grandes antennes avec des yeux globuleux regardent méchamment Bardane et la souris. « Partez ou je vous jette aux limaces qui vous mangeront !» Les deux amis se cachent derrière une immense chaîne. Bardane sort la pierre magique de son sac, la serre dans ses mains et ferme les yeux. Elle imagine que ses jambes sont gluantes et prend peu à peu l'apparence d'une limace. Deux antennes avec des yeux globuleux sortent de son front. Elle devient à moitié invertébrée. La souris se cache derrière la nuque de Bardane et prononce à la place de son amie « Bonjour, pouvez-vous me laisser passer? Je suis de votre pays. Mes petits m'attendent à la maison. » « Je ne t'avais jamais vue avant. » « C'est que je suis très timide, voyez-vous, et je sors peu. » « D'accord, passe, mais je t'ai à l'œil. » Bardane rampe lentement vers l'endroit où sont gardés les bébés limaces. Sur la droite, elle voit des arbres sans feuilles. Sur la gauche, des limaces géantes s'avancent vers elle. Nous sommes les limaces, masses, sans une carapace. Sous nos airs bonasses, nasses, se cache une menace. Nous savons être rapaces, attendez quand vous pourchassez. Nous vous mangerons sur place, venez vous chevaurer. Bardane accélère le rythme. Soudain, elle aperçoit la pouponnière faite de bave et de feuilles. Dans un immense trou, comme un berceau géant, reposent des milliers et des milliers de larves visqueuses. Du bout des doigts, la fillette cueille 5 bébés limaces et les glisse dans son sac. « Tu as perdu une antenne! L'homme limace va te voir! » Cours vite te cacher derrière un arbre. Il était temps. Au bout de 2 minutes, les effets de la transformation sont dissipés. Bardane quitte l'endroit en courant, la souris sur son épaule. Lorsqu'elle est en sécurité, la petite fille consulte le parchemin pour se faire indiquer la savane la plus proche où trouver les 2 dents de lion. Il faut prendre un raccourci pour traverser la forêt, escalader la montagne enneigée, traverser la mer Méditerranée et marcher pendant 1000 lieues. Au bout d'une journée de route, Bardane sort l'anneau magique, la tente s'ouvre et les aventurières s'effondrent sur un matelas douillet. Le lendemain matin, Bardane remplit son bol avec des graines magiques et ajoute de l'eau. Du bon chou-fleur au chocolat.